D'abord, merci au comité scientifique ou au comité de programme, je ne sais pas comment ça s'appelle cette année, donc de m'avoir invité à présenter les résultats d'un travail qui a mobilisé plusieurs personnes à l'INSEE depuis quelques années. Donc, il y a l'inventeur de la méthode, Christian Hess. Il y a le défricheur des travaux de Christian. Je ne sais pas s'il est arrivé là, c'est Pascal Hardilly. Ensuite, il y a eu Fabien Gugemos, qui a réalisé la première mise en œuvre pratique et informatique de la méthode. Il y a Kevin Rosamond, qui est un stagiaire qui a travaillé pendant 3 mois sur ce travail, sur ce sujet. Et Emmanuel, donc, qui a porté la touche finale, et qui a permis en particulier la mise en production à l'INSEE de cette nouvelle technique. Alors, on verra dans une première partie la méthodologie, qui est à la base de cette technique de coordination. Bon, je ne vous passe pas le plan là, c'est pas grand intérêt. Et dans une deuxième partie, on verra des tests, je vous présenterai des tests et des simulations grandeur nature qui ont permis justement, qui ont conduit à la mise en production de cette nouvelle méthode de coordination depuis le début de l'année 2014. Alors, qu'entend-on par coordination d'échantillons? Donc, il y a un grand nombre d'enquêtes entreprises ou établissements qui sont réalisées chaque année par l'INSEE et plus généralement par le système statistique public. Or, là, le système statistique public doit faire face à une demande assez forte de baisse de la charge qui pèse sur les entreprises. Assez ancienne et qui augmente, sachant qu'il y a un petit mélange du point de vue des entreprises entre les enquêtes statistiques et les questionnaires administratifs, quelquefois ils ne voient pas trop la différence. Donc comment faire face à cette demande de baisse de charge? Il y a plusieurs méthodes, on peut essayer de diminuer la taille des échantillons, donc ça c'est ce qu'on fait du mieux possible jusqu'à temps que la précision ne soit pas trop détériorée, quoi. On peut aussi alors supprimer des enquêtes. Ah, c'est très très rare, supprimer des enquêtes. Je pense que la dernière enquête supprimée, elle doit dater de 2007. On peut avoir recours à des données administratives. Alors ça, en revanche, c'est de plus en plus fréquent. Quand on a à notre disposition des données administratives, on ne pose pas les mêmes questions pour récupérer la même information auprès des entreprises. Donc ça, c'est assez bien en place maintenant. Ça permet d'alléger quand même pas mal de questionnaires. Et la dernière méthode, c'est ce dont je vais parler ici, c'est d'essayer de répartir au mieux la charge d'enquête qui pèse donc sur les entreprises et particulièrement sur les petites entreprises, puisque dans ce type d'enquête, les grandes entreprises sont à peu près systématiquement interrogées. Donc, la coordination pardon, négative d'échantillons, il va s'agir de favoriser la sélection d'unités qui n'ont pas été sélectionnées dans des enquêtes récentes. Donc, tout en conservant le caractère sans biais des échantillons. Autre façon de dire les choses, il faut essayer de minimiser le recouvrement entre deux échantillons d'enquête assez proches les unes des autres. Alors, il faut savoir qu'on est en plein dans l'actualité avec ce sujet-là. Vous savez peut-être que notre présidente de la République avait annoncé, je ne sais plus trop quand, un grand choc de simplification qui s'est traduit en mars ou en avril dernier par 50 premières mesures à destination des entreprises. Et là, il y a 15 jours, il y a 50 nouvelles mesures de simplification pour les entreprises qui ont été annoncées par M. Mondon, j'imagine. Et parmi ces 50 mesures, il y en a une qui dit la chose suivante. La statistique publique veillera à ne plus solliciter plus d'une fois dans la même année les entreprises de moins de 10 salariés pour des enquêtes ne dépendant pas d'un règlement européen. En cas de deuxième sollicitation au cours de la même année pour une enquête obligatoire de la statistique publique, ne dépendant pas d'un règlement européen et hors enquête ciblée sur la création d'entreprises, une entreprise de moins de 10 salariés ne sera pas tenue d'y répondre. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez fort. Alors ça, c'est juste, c'est une annonce. Ce n'est encore un effet d'annonce, ce n'est pas encore passé dans la loi. L'INSEE devra veiller à ce que ce qui sera écrit dans la loi ne soit pas trop préjudiciable quand même à la qualité de nos enquêtes. Mais en tout cas, l'annonce est faite et donc, vous voyez, on est en plein dans un sujet d'actualité. Alors, donc, cette nouvelle
cette nouvelle méthode, donc elle a déjà été présentée aux Journées de méthodologie statistique 2012. Elle permet de coordonner un nombre quelconque d'échantillons, alors qu'avant on avait une méthode qui ne permettait de coordonner que des échantillons 2 à 2. Donc on va pouvoir prendre en compte une charge cumulée des entreprises sur un ensemble d'enquêtes plus ou moins important, et on peut même donner des chartes différentes selon les enquêtes. Alors on va se limiter ici au sondage aléatoire simple stratifié, sachant que c'est la méthode d'échantillonnage qui est quasiment utilisée dans toutes les enquêtes entreprises du système statistique public. Alors, au cœur de la méthode, il y a la notion de fonction de coordination. Donc, une fonction de coordination, donc c'est une application de 0,1 dans 0,1 mesurable qui a la propriété, ça l'essentiel, de conserver la loi uniforme. Autre façon de dire les choses, c'est qu'elle conserve la longueur des intervalles par image réciproque. Donc ça, c'est au cœur de la méthode, on va le voir. Au cœur de la méthode également, mais comme dans de nombreuses méthodes de coordination, la notion de nombre aléatoire permanent, c'est un oméga k qui est attribué, qui est tiré dans la loi uniforme sur 0,1 et qui est attribué à chaque unité k de la base de sondage. Et les tirages des différents oméga k sont indépendants, bien sûr, les uns des autres. Donc on va se placer dans le contexte donc, d'une succession d'enquêtes, hein, T l'indice d'enquête, indice de temps aussi, avec des échantillons tous tirés par sondage aléatoire simple stratifié, comme l'indiqué tout à l'heure. Et à chaque fois, il va s'agir de définir, pour toute unité K de la base de sondage, une fonction de coordination, de façon complètement déterministe, hein, comme on va le voir tout à l'heure, GKT, judicieusement choisi, hein, l'objet de la suite, c'est de voir comment on choisit judicieusement ces fonctions de coordination et qui change à chaque enquête T, sachant qu'une fois qu'on aura choisi cette fonction de coordination, l'algorithme de tirage va être le suivant. Donc on se place dans une strate H, indice de strate T, indice d'enquête de taille grand N. On sélectionne les petites n unités correspondant aux n petites n plus petites valeurs de ces nombres, des nombres GKT oméga K, donc les nombres aléatoires initiaux affectés une fois pour toutes aux unités, qui vont être transformées par ces différentes fonctions de coordination. Alors pourquoi ça marche, ça? Ben on sait que, comme les grands N nombres, j'oublie l'indice de strate, les grands N nombres oméga K sont tirés indépendamment dans la loi uniforme sur 0,1, la propriété de fonctions de coordination assure que les N nombres GKT d'oméga K seront eux-mêmes tirés indépendamment dans une loi uniforme sur 0,1, et on sait bien que ça, c'est un algorithme particulier de prendre n plus petit nombre comme ça. Ça donne bien un échantillon qui respecte le sondage aléatoire simple. Donc voilà, ça, c'est pour la mise en œuvre. Alors, voyons maintenant la relation entre charge de réponse cumulée et fonction de coordination. La notion de charge de réponse va évidemment être importante dans toute cette histoire. Donc on va noter, on fait un peu de proba là, on va noter grand oméga, le vecteur aléatoire, donc grand N c'est la taille de la base de sondage, dont une réalisation est constituée des petits oméga K dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on va noter grand I KT, l'indicatrice d'appartenance de K à l'échantillon ST, donc qui vaut ainsi toutes les valeurs d'oméga conduisent à sélectionner l'unité K et 0 sinon. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le cas avec l'algorithme que j'ai présenté, c'est tous les oméga K qui vont compter et pas simplement l'oméga K attribué à l'unité K qui va jouer dans l'appartenance ou non de l'unité à l'échantillon. Alors il y a mes oméga là qui sont gamma qui sont un petit peu changés à l'air bourguignon, je ne sais pas. Mais bon, donc c'était pourtant un PDF. Peu importe, vous reconnaissez vaguement des oméga, des gamma. Gamma minuscule, et là, regardez, gamma majuscule. Donc, on va noter gamma KT, la charge de réponse potentielle d'une unité K, c'est-à-dire la charge de réponse si l'unité K est évidemment sélectionnée. En revanche, qu'elle soit répondante ou pas, ça ne va pas intervenir dans la mécanique. Hein. Voilà. Donc, la charge de réponse effective, c'est le produit de cette charge par l'indicatrice. Hein. Donc, c'est une charge aléatoire hein, qui va dépendre de choix des oméga. Et la charge de réponse cumulée, c'est la somme de ces charges sur toutes les enquêtes, hein, U variant de 1 à T. Voilà. Donc ça, c'est la notion de charge. Donc il va falloir maintenant relier la notion de charge cumulée à cette fonction de coordination. La fonction de coordination va être fondée sur, donc, à la date T, donc comment on va faire pour tirer l'échantillon à la date T? Eh bien, on va regarder les charges de réponse cumulées des unités de la base de sondage à la date T, cumulées de 1 à T-1. Donc voilà, c'est ça dont il va falloir s'occuper. Alors, donc, je rappelle pour bien situer le problème, la coordination négative
on vise à sélectionner en priorité les unités qui ont la plus faible charge de réponse dans le passé, premier point. Et deuxième point, le mode de sélection, je le rappelle, c'est à chaque fois, on va prendre les GKT d'oméga K les plus petits. Voilà, ça va être l'algorithme de sélection. D'où la propriété souhaitée pour les fonctions de coordination. Si vous avez, ça sont des vecteurs, oméga 1 et oméga 2, qui sont deux réalisations, quelconque du vecteur grand oméga, et bien si la charge cumulée associée à oméga 1 est plus petite que la charge associée à oméga 2 pour l'unité K, et bien ce que l'on souhaite, c'est la propriété souhaitée, c'est que le nombre GKT de oméga K1, donc qui est la kème composante du vecteur oméga, voilà, du vecteur oméga 1, eh bien, on veut que cette GKT d'oméga K1 soit inférieure ou égale à GKT d'oméga K2, c'est-à-dire qu'on ait tendance à choisir les unités pour lesquelles ces valeurs-là sont les plus petites. Donc voilà, ça c'est très important, je l'ai encadré, c'est vraiment la propriété souhaitée des fonctions de coordination et qui va permettre de respecter ça, la sélection des unités qui ont la plus faible charge de réponse, à travers l'algorithme qu'on a décidé d'utiliser pour tirer les échantillons. Donc, alors une petite difficulté, c'est que cette charge-là cumulée, oméga k, t ou t-1, peu importe, est une fonction d'un vecteur oméga, ça peut être très facile à manipuler, et on va voir comment on va faire tout à l'heure pour remplacer cette fonction du vecteur par une fonction de la kème composante, celle qui est associée à l'unité k, la kème composante oméga k. Donc on va remplacer là dans cette propriété 1, elle va devenir une propriété 2, où les grands oméga sont remplacés par des grands gamma, sont remplacés par des gamma primes. Voilà, ça on va voir tout à l'heure comment on fait pour faire cette simplification. Alors cette simplification, elle est vraiment nécessaire parce qu'on est dans le cas d'un sondage aléatoire simple stratifié. Si on se place, si on faisait un sondage poissonien, là il n'y aurait pas de sujet du tout parce que l'intégration ou non d'une unité dans l'échantillon ne dépendrait que de son oméga k ou de ses transformations successives de ce oméga k. Donc cette équation-là, cette propriété serait scalaire dès le départ. On n'aurait pas une fonction vectorielle, on aurait simplement une fonction de la kème composante du vecteur oméga. Voilà. Dans le OGMS 2012, on a présenté les deux aspects, le cas poissonien et le cas sondage aléatoire simple stratifié. Voilà. Alors, concrètement, donc comment est-ce qu'on construit une fonction de coordination? Donc on va alléger un petit peu les notations. Là, les grands gamma, les fonctions de charge cumulées, je remplace par C. C pour charge, voilà. Donc qui va de 0 à 1 dans ce qu'on veut, quelque chose qui va être positif, général. Et donc la propriété 2, là, je l'ai réécrite en 2 primes. La propriété souhaitée de la fonction de coordination G, indice C, qu'on va construire à partir de cette fonction de charge, c'est celle-là. C de oméga 1 inférieur à C d'oméga 2 entraîne que GC d'oméga 1 inférieur à GC d'oméga 2. Donc, alors après, comment fait-on pour construire cette fonction de coordination? Eh bien, on part de la fonction de répartition de la fonction grand C, on définit une fonction grand GC de cette façon-là, qui peut se réécrire GC d'oméga, c'est la probabilité que C de U soit inférieur à C de oméga. Donc là, je vous renvoie pour ceux qui s'intéressent. Dans le papier qui figure sur les actes des GMS 2012, vous avez des démonstrations, des résultats que je vous présente. Ces démonstrations ne sont même pas dans le résumé long là, qui a été rédigé pour le colloque. Donc là, on peut montrer que ceci a de bonnes propriétés, s'inclut dans 0,1, c'est vérifier la propriété de prime, mais ce qui va se passer, c'est que si la fonction grand C, la fonction de charge, a des paliers, c'est-à-dire des sous-espaces où elle est des sous-intervalles où elle est constante, eh bien GC va posséder les mêmes paliers. Donc GC n'est pas une fonction de coordination. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour arriver à une fonction de coordination, petit GC. On va regarder ça sur ce petit exemple-là. Donc là, vous avez une fonction de coût, une fonction de charge, pour avant le tirage de l'échantillon que l'on veut réaliser. Vous voyez qu'il y a des paliers, qu'il y a quatre paliers. Donc là, vous avez le graphe de la fonction GC. Donc GC, c'est probabilité que C de U soit inférieur à C de oméga.
Donc là, vous avez deux segments pour lesquels ça vaut 0 parce que ça correspond aux valeurs minimales de C. Là, vous avez un segment qui est à une hauteur de 0,8 parce que cette hauteur de 0,8, ça correspond à la longueur des segments. Le premier, 0,03, ensuite 0,5, 0,9 et 0,9, 0,1, ça fait 0,8, etc. Et le troisième, 0,4, ça correspond à la somme des deux intervalles, 0,03 et 0,9, 0,1. Voilà. Ça, ce que j'ai fait, c'est juste appliquer cette définition de la fonction grand GC. Bon, ce n'est pas une fonction de coordination. En fait, pour la transformer en fonction de coordination, il suffit de faire basculer les petits segments horizontaux. On les fait tourner de 45 degrés et ça va devenir des petits segments de droite de pente 1 sur différents palets. Et là, vous avez véritablement une fonction de coordination, voilà, qui conserve exactement, je vous rappelle la définition, qui conserve la probabilité uniforme. Donc ça se vérifie bien, et qui en plus vérifie aussi quand même cette propriété-là. Donc l'objectif est atteint, on a comme ça, on sait construire une fonction de coordination. Donc ça c'est important, cette histoire de voir ce qui se passe sur des fonctions où la fonction à la base, la fonction de charge cumulée à des paliers, parce qu'en fait on va toujours se ramener à cette figure, à ce cas de figure-là. Donc on verra ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, comment on met en œuvre ça dans le cas d'un sondage aléatoire simple stratifié? Donc à nouveau, je vous rappelle l'algorithme. Hein, imaginons qu'on ait construit la fonction de coordination GKT. Alors ce qu'il faut bien voir, ça, c'est des fonctions de coordination individuelles. Pour une unité donnée K, il y a une fonction de coordination GKT. Enfin, GK1, GK2, etc. Ces fonctions vont évoluer à chaque tirage. Et donc, une fois qu'on a construit la fonction de coordination, on applique cette fonction de coordination aux oméga K et on cherche les n unités correspondant aux plus petites valeurs, donc GIT d'oméga I. Donc, encore une fois, et je le répète, tout ceci n'est qu'une répétition, mais je crois qu'il faut répéter les choses. C'est la base de la pédagogie, ça qu'on dit. Donc l'inclusion de K dans ST dépend de tous les oméga I, de toutes les unités I, et non pas simplement de l'oméga K associé à l'unité K, parce qu'on n'est pas dans le cas poissonien, qui nous simplifierait bien les choses, parce qu'on est là dans le cadre d'un sondage aléatoire simple. Donc, je le répète, les fonctions indicatrices et les charges cumulées sont des fonctions du vecteur oméga. Ça va nous embêter, puisque vous avez vu dans ce petit schéma-là, j'étais parti d'une fonction C d'un scalaire, hein. Pas d'un vecteur. Donc je sais traiter le cas où la fonction ne dépend que d'un scalaire et pas d'un vecteur. Donc je vais me ramener à une fonction qui ne dépend que d'un scalaire. Alors où j'en suis, voilà. Donc il est nécessaire de remplacer l'indicatrice IKT par une indicatrice approchée qui lui s'approche tout en ne dépendant que de la KM composante du vecteur oméga. Donc on va prendre la meilleure approximation possible au sens de la norme L2, c'est-à-dire qu'on va prendre l'espérance conditionnelle. Donc il y a un petit A qui apparaît pour approcher, l'indicatrice approchée, c'est l'espérance conditionnelle de la vraie indicatrice complète conditionnellement à oméga K. Ce qui revient tout simplement à calculer la probabilité que K appartient à ST, sachant oméga K, donc une fonction d'oméga, d'oméga K, grand oméga K égale petit oméga. Voilà, donc on progresse. Alors on progresse encore mieux parce qu'on va voir que ça va pouvoir s'exprimer, cette indicatrice approchée, en supposant les fonctions de coordination bijective, on va pouvoir, ce qui est le cas, on va pouvoir la réécrire comme ça, donc comme une fonction de GKT d'oméga, une fonction BKT. Et là, à nouveau, là, je peux vous renvoyer au document de 2012, ce BKT, ou ce 1-BKT, ça s'obtient comme étant la fonction de répartition. On montre que c'est la fonction de répartition d'une certaine loi, probabilité, bêta, qu'on connaît, donc à paramètres grand N et grand N moins N plus 1. Donc on progresse, hein, parce qu'on a vraiment une forme spécifique, hein, bien identifiée à cette fonction, cette indicatrice approchée. Ce que vous avez ici, c'est la forme de ce 1-BKT pour différentes valeurs de petit n, 3, 10, 20, 50, et de grand n. Voilà, n vaut toujours 100, donc avec des taux de sondage de 3%, 10%, 20% et 50%.
Alors, regardons par exemple celle-ci, hein, c'est la dernière qui correspond à un taux de sondage de 50%, on tire 50 observations dans une population de taille 100. Donc on voit ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez un premier segment qui va, je ne sais pas jusqu'à combien il va à peu près jusqu'à 0,45, qui correspond à une sélection presque certaine de l'unité. Vous avez ici un segment qui correspond, qui part à peu près de 0,55 jusqu'à 1, qui correspond à une non-sélection presque certaine de l'unité. Et puis vous avez un intervalle intermédiaire, en gros, entre 0,45 et 0,55. Et c'est là où il y a la plus grande incertitude de la sélection ou non de l'échantillon, parce que là, tout va dépendre de ce que vont être les autres oméga ou les autres GKT d'oméga de toutes les autres unités de la base de sondage. Donc c'est là que ça se joue. Et encore une fois, si je fais le parallèle avec le cas poissonien, qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait un segment de droite qui va de 1 à 0,5, sélection certaine, et un segment de droite qui va de 0,5 à 1, non sélection certaine. D'accord ? Continuons. On progresse là. Donc on a remplacé la fonction indicatrice de oméga par une indicatrice approchée qui dépend juste de la Kn composante. On a la charge cumulée et le gamma. On va le remplacer par un gamma e pour espéré, charge cumulée espérée. Voilà. Donc il y a la même forme que précédemment, les charges des réponses de l'unité k pour l'enquête u. Multiplié par cette indicatrice approchée. Donc là, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette charge cumulée espérée, elle est différente de la charge réelle, qui elle est égale à la somme la somme des charges de réponse individuelles fois l'indicatrice K a été sélectionnée ou non dans l'unité, dans l'échantillon U. Ça, c'est la charge réelle. Et ça, c'est la charge espérée. Et ce qui est important de savoir, c'est que nous, on va fonctionner avec la charge espérée et non pas avec la charge réelle. Et encore une fois, si c'était dans le poissonien, on travaillerait avec la charge réelle, il n'y aurait pas de problème. Donc, c'est vraiment là la difficulté. Je crois que tous, individuellement, on a mis un petit peu de temps à comprendre de quoi il s'agit dans cette méthode. Ce qu'il faut savoir, c'est donc les probabilités de sélection des unités dans l'échantillon d'une enquête. Contrairement à l'intuition, ça ne dépend pas de l'appartenance ou non de ces unités aux échantillons des enquêtes précédentes, mais ça dépend des probabilités pour qu'elles aient été sélectionnées. Voilà. Tout ça, c'est pour garder un caractère sans biais, etc., in fine, à la méthode. Sinon, ça ne marcherait pas. Alors, on va encore rendre le problème un petit peu plus simple. On va simplifier tout ça, oui, parce que bon, BKT, c'est bien joli. Ça a une forme qui est celle-ci. Enfin, on va essayer c'est pas très facilement manipulable. Donc, on va rendre tout ceci un petit peu plus simple. Alors, comment on va faire ? On va commencer par découper l'intervalle 0,1 en grand L intervalle. Et nous, on a pris L égale 100, c'est ça, 100 intervalles. La fonction BKT, on va la transformer par des petits bouts, d'abord des fonctions affines par morceaux, dans chacun de ces intervalles, en prenant les valeurs, en regardant les valeurs de BKT aux extrémités, puis après on trace des petits bouts. Ensuite, on va calculer la moyenne bêta KT sur chacun de ces intervalles, la moyenne bêta KT de bétil KT. Voyez, on va d'approximation en approximation. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va arriver à simplement à construire une fonction étagée où sur chacun des intervalles, on va définir la fonction bêta kt d'oméga, oméga variant dans l'intervalle numéro, je ne sais pas si c'est le L, oui, numéro L, en lui donnant comme valeur constante, c'est la valeur moyenne de bêtil kt. Voilà, c'est ça. Donc tout ça pour arriver à une approximation de BKT de cette fonction continue, là, par une fonction étagée, mais sur des tout petits intervalles. Donc, on a divisé, là, par exemple, 0,1 en 100. Et tout ça, pourquoi ? Ça nous permet de nous ramener à une fonction de charge cumulée qui va être... Alors, vous voyez, là, le E, c'était pour espérer, le A, c'est pour approcher, Donc, par rapport à la charge cumulée du départ, on a fait deux approximations. Mais c'est toujours la même forme. C'est une somme pour toutes les enquêtes antérieures, qui vont jusqu'à T.
de la charge individuelle de l'unité K pour chacune des enquêtes, fois cette nouvelle fonction bêta KU de GKU d'oméga. Et l'intérêt, c'est qu'on s'est ramené à ce qu'on sait faire, hein, le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, on s'est ramené à une fonction de coût qui est de charge cumulée qui est constante sur des intervalles. Tout ça pour ça. Donc c'était ça. Ça, on sait faire, et on va appliquer cette méthode maintenant. Alors, on est arrivé à la situation suivante. Vous voyez, on a découpé l'intervalle 0,1 en grand L sous-intervalle. On a une fonction de charge cumulée qui est constante sur chaque intervalle. Donc ça, c'est la fonction grand C hein, de ma diapo tout à l'heure. On construit la fonction grand GC. Comme je l'indiquais tout à l'heure, elle ne figure pas là sur ce graphique. Et à partir de ça, donc on a des segments de droite, on les fait pivoter de 45 degrés, et on a des bouts là de segments de droite de pente égale à 1. Voilà. Et donc vous voyez qu'en fait, cette fonction de coordination, G, elle est complètement définie par une permutation sur un L. Au premier segment est associé, vous voyez, le segment qui se trouve dans le quatrième carré, au premier sous-intervalle. Le deuxième sous-intervalle est associé à un segment de droite dans le deuxième carré, etc. Donc là, la permutation, c'est 1, 3, 2, 1, 3, 1, 4, 5 et 1, 3. Voilà. Donc on définit complètement une fonction de coordination juste avec L nombre entier. Alors, production de sélection des échantillons. Alors, on va voir maintenant comment ça se met véritablement en œuvre. Donc, on va supposer d'abord le cas séquentiel, où on a vraiment toute une série d'enquêtes qu'on veut coordonner les unes avec les autres. Donc, au départ, on initialise la charge à 0 pour toute unité. On sélectionne une unité correspondant à une plus petite valeur oméga i. Donc, tout revient à poser une fonction de coordination constante. Hein. On commence comme ça. Donc la charge réelle est celle-ci, mais ce n'est pas ça qui va nous importer, ça va être la charge espérée approchée, donc où on va faire intervenir la fonction bêta que j'ai introduite tout à l'heure, fonction indicatrice approchée. Donc, et comme j'ai indiqué, fonction de charge réelle et espérée, elles vont coïncider en général sur l'intervalle 0,1, sauf sur un voisinage de la valeur qui correspond au taux de sondage. J'avais pris l'exemple d'un taux de sondage de 50% tout à l'heure, mais j'aurais pu faire le même commentaire sur les autres courbes que je vous avais montrées. C'est autour de la valeur correspondant au taux de sondage qu'il y a une incertitude sur la sélection ou non de l'unité. Ensuite, sélection de deuxième échantillon, on part de la charge espérée, attendue, précédente. C'est la charge grand C qui va amorcer la construction de la fonction de coordination pour chaque unité, donc GK2, et on sélectionne les N unités correspondant à N plus petite valeur. On construit la nouvelle fonction de charge cumulée espérée approchée, etc. Et donc pour la sélection du l'échantillon numéroté, c'est toujours la même chose. On regarde la charge cumulée jusqu'aux enquêtes de 1 à T-1. C'est la charge C. On construit la fonction grand G et C et on en déduit la fonction de coordination. Voilà. Donc ce qui est important de voir, c'est donc ce qu'il faut conserver. Alors plus. Voilà. Cette procédure, on peut aussi l'adapter pour coordonner une enquête ET avec un ensemble de P enquêtes tout à fait quelconque dans le passé, pas forcément séquentiel. Donc il faut simplement pour chaque unité K calculer sa fonction de charge cumulée espérée approchée pour enclencher le processus de calcul des fonctions de coordination. Donc il faut être capable de voir tout ceci. Il faut connaître tout ceci. Donc qu'est-ce qu'il faut connaître là-dedans? Il faut connaître pour chaque enquête sujette à être tirée là dans l'enquête ET, il faut connaître sa charge de réponse sur toutes les enquêtes avec lesquelles on veut coordonner, donc les oméga KE. Il faut connaître les indicatrices approchées, mais les indicatrices approchées, elles sont juste fonction des tailles dans les strates et des tailles d'échantillons dans les strates. Les tailles des strates et les tailles de l'échantillon dans les strates, j'aurais pu mettre, il manque un petit indice E là, pour toutes les enquêtes précédentes. Et il faut connaître la fonction de coordination qui a été calculée au moment du tirage de l'enquête E pour l'unité K. Donc, il faut stocker des choses pour mettre en œuvre ce processus. Pour chaque enquête, il faut stocker sa base de sondage. Okay.
il faut stocker la stratification, il faut savoir quel découpage on a fait en strates, et pour chacune des strates, il faut avoir conservé quelque part la taille de l'échantillon dans la strate. Bon, ça on le faisait, on le faisait, même avant de mettre en place cette technique. Donc voilà, et ensuite, c'est ça la nouveauté, pour chaque unité du champ, il faut stocker sa fonction de coordination, c'est-à-dire une permutation sur les nombres qui vont de 1 à 100. C'est pas très lourd informatiquement, parce que comme c'est des nombres entiers, ça prend moins de place que si on stocke des nombres réels. Donc voilà comment tout ceci peut se mettre en marche. Alors, deuxième partie, alors quelques simulations qui nous permettent de mettre, enfin d'abord de valider ceci et de vraiment de le mettre en production. Donc là, c'est essentiellement ce sont des travaux d'Emmanuel là, que je vous présente. Donc ce qu'on a commencé, alors il y a eu des simulations sur des données fictives qui avaient été faites il y a quelques années, mais après il s'agit de voir ça en grandeur. Grandeur nature, voir ce que ça donne. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des enquêtes, 20 vraies enquêtes, des enquêtes de la vraie vie, depuis l'enquête sectorielle annuelle de 2008, 20 enquêtes successives sur des unités légales, enfin on va dire c'est des entreprises pour dire vite. On a respecté parfaitement les plans de sondage, les critères de stratification, l'allocation. Certaines enquêtes, pour certaines enquêtes, il y a des renouvellements par moitié, par tiers, par quart, pour tout ceci, c'est dans le but d'améliorer les précisions des évolutions. On a traduit la coordination positive, alors ça j'en ai pas parlé encore, c'est l'inverse de la coordination négative, on veut maximiser le recouvrement entre deux échantillons de façon, là dans le cas présent, l'échantillon point de vente était, l'échantillon de l'enquête point de vente était coordonné positivement avec l'échantillon de l'enquête ESA parce que ça permettait de récupérer des tas de, c'est l'enquête sectorielle annuelle, donc c'est la plus grosse des enquêtes structurelles de l'INSEE, ça permettait de récupérer un grand nombre d'informations sur ces entreprises, donc pour éviter de leur reposer des questions, etc. Donc là, la coordination positive, alors, j'ai pas fait, il n'y a pas un paragraphe coordination positive, c'est tout pareil, sauf que la charge, là, au lieu d'être positive, elle est négative. Donc, coordination négative, charge positive, coordination positive, charge négative. Et ça marche, on a vérifié que ça marchait. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a coordonné le tirage de chaque échantillon avec l'ensemble de toutes les enquêtes passées. Et pour comparer, on a comparé ça avec 20 tirages indépendants pour voir ce que ça donne. Donc ça donne la chose suivante. Ce que vous avez ici, c'est le nombre d'échantillons auxquels appartiennent les différentes entreprises. Tirage indépendant, tirage coordonné, et là vous avez l'écart entre les deux types de scénarios. Alors ce qu'on voit en particulier, c'est que le nombre d'entreprises qui ont été enquêtées une fois a augmenté 33 000, le nombre d'entreprises qui ont été enquêtées deux fois a augmenté 10 000, et les entreprises qui ont augmenté 3, 4, 5 fois, leur nombre a diminué de moins 7 000, moins 5 000, etc. Donc ça va dans le bon sens, sauf qu'on aurait peut-être pu espérer que ça marche encore mieux. Pourquoi est-ce que le nombre d'entreprises enquêtées deux fois a augmenté? Mais ça, c'est à cause des renouvellements par moitié, par tiers ou par quart qui font que de facto, il y a forcément des entreprises qui sont interrogées plusieurs fois. Donc de ce petit tableau, on a enlevé les entreprises qui étaient sujettes à ces renouvellements. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus net, vous voyez. Donc on a diminué très sérieusement le nombre d'entreprises enquêtées 2, 3, 4 fois. Alors il en reste encore 9000 là. Alors là, il faut dire pourquoi il en reste encore 9000 entreprises qui ont été sélectionnées deux fois. C'est parce qu'il y a eu la coordination positive entre les AI points de vente. Donc ça, voilà. Et sur les 9000, il y en a 3000. Et puis il y a aussi le fait que parfois les taux de sondage sont élevés. Et donc si vous avez deux enquêtes avec base de sondage identique, stratification identique, et si vous prenez un taux de sondage supérieur à 0,5, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, vous aurez forcément des entreprises qui seront interrogées plusieurs fois. Donc ça vient de là. Il y avait, sur les 9000, il y en a 3000 la coordination positive, 3000 avec des taux de sondage supérieurs à 0,5 et 3000 avec taux de sondage compris entre 0,2 et 0,5. L'aléa fait qu'ils ont pu être interrogés plusieurs fois. Donc voilà. Donc ça, c'est assez probant, ces résultats. Alors, un deuxième sujet auquel on s'est intéressé, c'est qu'il y a des enquêtes qui sont menées auprès des entreprises. Il y a aussi beaucoup d'enquêtes qui sont menées, encore une fois, je fais la simulation, unité légale entreprise, et beaucoup d'enquêtes qui sont menées auprès des établissements. Et on souhaiterait bien aussi coordonner ces deux types d'enquêtes. Donc là, la seule façon de faire, c'est de faire un lien entre une unité légale et son établissement dit principal.
Alors, il faut savoir quand même que parmi les petites entreprises, il y a à peu près 95% des unités légales qui n'ont qu'un seul établissement. Donc, alors, parce que ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas pouvoir instaurer une coordination en prenant en compte les charges des établissements secondaires, non principaux. Là, c'est impossible, ce serait, parce que ça obligerait à ce que tous les établissements d'une même unité aient le même numéro aléatoire. Et ça, c'est contradictoire, puisque les numéros aléatoires doivent être tirés indépendamment les uns des autres. Par contre, la façon de coordonner enquête établissement et enquête entreprise, c'est de donner le même numéro aléatoire à l'unité légale et à son établissement principal. Et là, ça fonctionne. Donc, c'est ce qui a été fait. Et après, ça signifie que quand on tire un échantillon d'unité légale et qu'on veut faire intervenir dans la coordination des enquêtes établissement, eh bien, pour une unité légale, on va faire intervenir dans le calcul de sa charge cumulée les fonctions de charge de son établissement principal dans les différentes enquêtes établissements concernées. Et vous avez la réciproque marche dans le sens. Et ça, là aussi, bon, non, je ne présente pas de résultats, ça marche bien, on a testé ça. Aux 20 enquêtes de la vraie vie dont j'ai parlé précédemment, on a rajouté 8 enquêtes établissements et on a obtenu des résultats qui étaient un peu similaires à ceux-là. Donc la méthode fonctionne. Je ne vais peut-être pas parler de ça, juste je vais conclure là-dessus parce que ça, c'est un point important. J'indiquais tout à l'heure qu'on utilise quasiment toujours des sondages aléatoires simples stratifiés. Oui, j'ai oublié de dire, les stratifications en plus, c'est quasiment toujours les mêmes. C'est secteur d'activité croisé avec taille d'entreprise. À l'intérieur de ce croisement, on fait un sondage aléatoire simple. Sauf que, en réalité, en général, on trie les unités dans la base de sondage pour introduire une petite représentativité supplémentaire. Donc, par région ou par chiffre d'affaires, etc. On sait bien, c'est écrit dans tous les bons cours de sondage, que ça ne peut pas faire de mal, ça ne peut faire que du bien de faire un tirage systématique sur un fichier trié. Et ça, c'est très couramment utilisé. Problème, ça ne marche pas du tout. Le tirage systématique ne rentre pas dans la logique de la méthode. Donc, plutôt que d'abandonner ceci, ce qui aurait vraiment fait de la peine aux concepteurs d'enquête, ce qui se fait, on a simplement rajouté une stratification supplémentaire, un critère de stratification supplémentaire en prenant donc la région quelquefois le tri était fait sur une variable continue comme le chiffre d'affaires, donc on fait des tranches de chiffre d'affaires et on introduit comme critère de stratification supplémentaire ceci. Donc c'est ce qu'on appelle la surstratification. Et après au niveau des allocations, vous savez, tirage systématique, ça revient à faire sur fichier trié, ça revient à faire une stratification avec allocation proportionnelle. Ça aussi, c'est dans tous les bons ouvrages de sondage. Donc c'est donc au niveau des allocations, mais qui sont, on a rajouté des allocations relatives à la stratification initiale en ajoutant donc des allocations plus fines par allocation proportionnelle. Évidemment, on est confronté à un problème de strates qui deviennent vite très peu remplies, voire vides. Et à ce moment-là, il faut faire comme on fait d'habitude, on fait des réunions de strates pour que tout ceci fonctionne. Et ça fonctionne, on a constaté qu'il y avait quasiment pas de différence entre cette méthode-là et les méthodes que l'on utilisait avant, où on mettait vraiment en œuvre le tirage systématique stricto sensu. Donc on a eu l'impression qu'on a résolu, grâce aux travaux donc d'Emmanuel en particulier, tous ces derniers travaux, pas mal de questions qu'on se posait d'ordre pratique. Il y en a d'autres, plus marginales, dont je n'ai pas le temps de vous parler. Et donc il n'y a pas de conclusion, sauf que la conclusion, c'est que vraiment on a mis en œuvre cette méthode depuis le début de l'année, hein, c'est ça, donc depuis la fin décembre 2013, qui était le tirage de l'ESA. C'est ça. Et donc, depuis 2014, on tire tous nos échantillons. Enfin, on va être amené à en tirer de plus en plus, parce que ça implique que pour l'INSEE, il y a une coordination de tous les tirages, de tous les échantillons, y compris ceux qui étaient tirés dans les services statistiques ministériels et autres. Donc, il y a petit à petit, il va y avoir une prise en charge, parce qu'il faut que ce soit centralisé, bien entendu, les tirages, pour que cette méthode puisse être mise en œuvre. Donc, petit à petit, il va y avoir une centralisation au sein du département des méthodes statistiques de l'INSEE de ces tirages d'échantillons. Voilà. Je vous remercie. Donc les questions, c'est après chaque intervention. Donc si vous avez des questions, il reste quelques minutes. Okay, j'arrive peut-être à
deux observations. Ça vous éloigne probablement du sondage équilibré. Première. C'est foutu. Ça va. Puis deuxième question. Une autre façon peut-être de le faire, c'est aussi non seulement d'aller vers l'unité de sondage, mais au niveau de la collecte des données, c'est-à-dire que plusieurs de ces sondages doivent avoir des questions qui sont répétées de sondage en sondage. Alors ce serait d'éviter la répétition des questions en prenant en compte dans les questionnaires qu'on peut avoir, disons, un questionnaire maître qui pose la question globale et ensuite une partie du questionnaire, donc, se spécialise dans l'enquête même. Alors, ça aide aussi probablement à diminuer le fardeau de réponse. Non, tu as parfaitement raison. L'exemple de coordination positive que j'ai indiqué tout à l'heure, c'était exactement ça. Et en plus, nous n'avons plus le droit de demander, de poser des questions relatives à des informations qui sont disponibles par ailleurs dans des fichiers administratifs. Ça, c'est dans la loi, ou c'est quasiment dans la loi, enfin dans un engagement de l'INSEE vis-à-vis des entreprises. Mais tu as tout à fait raison. Oui. Moi, j'ai juste une remarque, c'est sur le volume de données à stocker, en fait. Parce que bon, je fais de la coordination aussi dans le cas le plus simple, je pense, qui peut être vu comme un cas particulier de cette méthode. Et je me suis aperçu que le volume de données à stocker, c'est quand même L au carré. De l'ordre de L au carré, où L, c'est le nombre d'enquêtes que tu fais. Et donc, pour moi, ça va encore, parce que pour l'instant, j'ai quelques dizaines d'enquêtes, mais s'il y avait beaucoup, beaucoup d'enquêtes qui rentraient dans mon système, je serais quand même inquiet. L au carré, parce que tu dois stocker ta permutation, et ta permutation, sa taille, elle augmente aussi avec le nombre d'enquêtes. Hein, tu dois la stocker à chaque fois. Et puis elle-même, la taille de la permutation augmente. Donc là, je vais répondre. Je peux faire appel à un ami ou je peux répondre directement. Donc, pour les 20 enquêtes dont je parlais tout à l'heure, ah oui, parce que j'ai oublié de dire, on peut stocker, on peut coordonner avec un nombre d'enquêtes quelconque, on n'est pas forcément obligé de coordonner avec les enquêtes des 10 années passées. Hein, donc on va se limiter, forcément. Et donc, dans l'exemple, donc 20 enquêtes, il y avait les permutations, c'était 6 gigas. C'était rien. On paye notre espace de stockage beaucoup plus cher à l'OFS. Bon. Non, mais ça, c'est un sujet pour lequel on pouvait avoir des inquiétudes. Hein. Bon, là, il n'y en a pas. Les bases de sondage sont conservées aussi. Parce qu'elles l'étaient déjà, donc ce n'est pas dans les 6 gigas. Les 6 gigas, c'est juste les permutations. Hein. C'est ça, donc les fonctions de coordination. Oui. Non, mais c'est pas neutre que ce soit des entiers en plus. Hein. Merci. Ma question relative à la méthode d'échantillonnage. J'ai cru comprendre que c'est un sas stratifié et les critères de stratification, bon, secteur d'activité, chiffre d'affaires. Alors, non, plutôt effectif salarié. Effectif salarié et secteur d'activité, avec un découpage plus ou moins fin selon les enquêtes, selon le champ de l'enquête, etc. Ok. Mon inquiétude se situe au niveau de l'homogénéité des strates, parce que chez nous également, on utilise comme critère de stratification le secteur d'activité et le chiffre d'affaires. Mais on se retrouve souvent avec des strates où on a des entreprises qui ont des chiffres d'affaires relativement élevés. Donc, ce qu'on fait, avant de procéder au SAS, on retient d'office. Sur la base, en tout cas, d'un certain nombre de critères, notamment la part de certain nombre d'entreprises, en termes de chiffre d'affaires, dans le chiffre d'affaires global des strates, on les retient d'office avant de procéder à un SAS. Donc, j'aimerais savoir, bon, parce que vous dites que vous procédez à un SAS, est-ce que souvent vous n'avez pas des difficultés liées à l'hétérogénéité des strates en termes de par rapport à la variable d'intérêt?
Oui, non, mais cette remarque est parfaitement justifiée, d'autant plus que nous ne faisons pas comme je viens de dire. C'est qu'effectivement, c'était une simplification. Mais les chiffres d'affaires entrent en compte aussi dans nos critères de stratification, et en particulier, on peut très bien nous intégrer dans la strate dite exhaustive des entreprises qui ont des chiffres d'affaires au-delà d'un certain seuil. Donc, nous faisons exactement la même chose. Hein. Donc, c'était juste pour simplifier que j'avais indiqué. Je m'étais restreint à ces deux critères de stratification premiers, mais le chiffre d'affaires entre en compte également.